Bonjour à tous et donc bienvenue à ce web séminaire sur l'utilisation des webhooks avec Survey 123 for ArcGIS. Alors, ce web séminaire, on est ensemble pour une durée de 30 minutes. Je l'animerai, donc Hugo Gagnard du marketing produit d'Esri France. Et je suis accompagné de mon collègue Sébastien qui lui répondra à vos questions durant ma présentation. Concernant l'agenda du web séminaire, 30 minutes c'est très rapide, donc l'agenda est très léger. On va commencer par définir ensemble ce que c'est qu'un webhook. On verra ensuite comment utiliser ces fameux webhooks avec Survey 123 for ArcGIS. Et puis, je ferai des démonstrations pour illustrer tous ces propos. Je vous indiquerai quelques ressources disponibles et puis on passera à la partie questions-réponses. Commençons donc tout de suite avec la définition d'un webhook. Et pour définir un webhook, il faut voir un peu les possibilités qu'offre ce mécanisme. Donc, les webhooks permettent de déclencher une action suite à un événement. Donc, vous le voyez ici sur le petit schéma de la slide, on a une application et lorsqu'un événement se produit, lorsque chaque événement se produit dans cette application, cela déclenche en fait une requête HTTP POST qui va envoyer les informations relatives à l'événement, alors soit au format XML, soit au format JSON, vers l'URL d'une plateforme webhook qui exécutera des actions. Donc l'application, à chaque événement qu'on aura prédéfini, elle va donc envoyer cette requête et déléguer le déclenchement d'action à une plateforme webhook. Et ces actions peuvent être de nature différente, poster sur les réseaux sociaux, notifier un collaborateur ou un utilisateur par mail, stocker les données sur le cloud, sur Box, sur OneDrive, etc. Alors les webhooks, au contraire, d'une API qui, elle, requiert d'être interrogée en continu, donc on va envoyer des requêtes à intervalles réguliers pour connaître et savoir si l'information est disponible, c'est ce qu'on appelle le pooling. L'avantage des webhooks, eux, c'est qu'ils vous offrent une notification en temps réel quand l'information est disponible. Ça vous permet donc finalement de créer des processus d'action automatisés qui seront pilotés par les événements eux-mêmes. Alors, les informations, je vous disais précédemment, sont envoyées sur une plateforme webhook. Ce sont des plateformes tierces. On sort de l'environnement ArcGIS ici. Je vous ai ici listé les plus connues. On retrouve Microsoft Power Automate. Pour ceux qui connaissent, c'est anciennement Microsoft Flow, le produit a été renommé. On retrouve également la plateforme Integromat, IFTTT, Zapier ou Tray.io. Donc j'ai mis trois petits points, il en existe tout un tas de plateformes webhook que vous pouvez utiliser avec Survey 123. Sachez également qu'il est possible, si vous le souhaitez, de créer vos propres récepteurs webhook personnalisés. Pour ce faire, Esri vous met à disposition sur son GitHub des exemples de code pour créer ces récepteurs et les déployer sur vos propres serveurs. Donc c'est plutôt pratique si vous souhaitez travailler sur site dans un environnement déconnecté d'Internet. Et si vous choisissez d'utiliser des plateformes webhook tierces prêtes à l'emploi, il faut savoir que celles-ci sont très pratiques puisqu'elles vous simplifient la création de vos processus automatisés, donc du déclenchement des actions, et vous offrent de nombreuses connexions vers d'autres services, des services Google, des services Microsoft, des services Salesforce, etc. Et puis, vous le voyez sur la slide ici à droite, ces plateformes vous permettent de construire visuellement, graphiquement, des scénarios d'action grâce à des bibliothèques de connecteurs prêts à l'emploi. Donc, il y en a des centaines de disponibles. Vous allez pouvoir définir des logiques conditionnelles, des filtres, créer des itérations, et tout ça sans que cela nécessite de compétences en développement. Alors, si peut-être quelques connaissances de base en HTML, on le verra tout à l'heure pour mettre en forme les données lorsqu'on envoie un email, par exemple. Alors, voyons maintenant l'intégration et l'utilisation des webhooks avec Survey 123 for ArcGIS. Donc, maintenant que vous êtes des experts du webhook, vous savez que le webhook, pour qu'il puisse exister, il faut un événement déclencheur. Avec Survey, cet événement déclencheur, ce sera lorsqu'une réponse à une enquête Survey 123 est envoyée ou modifiée, ou bien les deux, c'est vous qui choisirez. Et dans ce cas-là, vous pourrez déclencher et déléguer une suite d'actions à une plateforme webhook pour envoyer des notifications, des SMS, des emails, poster sur une messagerie instantanée, des notifications push sur une application, ou alors transférer des données vers une autre base de données que la base de données ArcGIS, sur un cloud, Google, Box, OneDrive, et même vers d'autres services comme par exemple un service de marketing automation comme Salesforce Pardot. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, enrichir les données de l'enquête. Alors effectivement, sur ces plateformes, on a différents connecteurs, dont des connecteurs par exemple météo. Vous pouvez obtenir les conditions météo à l'endroit où l'enquête a été publiée, à l'heure où elle a été publiée, pour venir enrichir les données du participant. Ou alors traduire des informations. Votre enquête a été renseignée en anglais, vous pouvez automatiquement la traduire en français, faire du géocodage inverse, etc.
Donc, de nombreuses possibilités vous sont offertes grâce aux plateformes Webhook. On passe maintenant sur une petite vue d'ensemble du fonctionnement des Webhooks avec Survey 1-2-3. Donc, un schéma très simple, mais pour bien comprendre le fonctionnement. Donc, tout part de la première étape, du déclenchement, qui est donc une réponse à l'enquête Survey. Sachez que ce déclenchement peut se faire indifféremment, soit à partir du formulaire web de Survey 1-2-3, ou lorsque l'enquête est renseignée depuis l'application mobile. Dans les deux cas, ça fonctionnera. Ces informations sont donc envoyées sur votre plateforme ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Et donc, si vous disposez à côté d'une plateforme Webhook que vous aurez préconfigurée pour pouvoir recevoir les données, donc grâce à une payload URL, c'est donc une URL sur laquelle seront chargées les données, bien, qui va envoyer les données? C'est tout simplement Survey via une requête HTTP qui va envoyer l'ensemble des informations liées à l'enquête au format JSON sur cette payload URL. Et donc, la plateforme Webhook va réceptionner ces informations en temps réel et déclencher une suite d'actions que vous avez préparamétrées. Notification, transfert de données ou enrichissement des données. Donc, la première étape, vous la connaissez. Je l'ai abordée d'ailleurs lors de mon dernier web séminaire, comment créer une enquête et publier des résultats. On va voir ensemble comment créer le lien finalement entre Survey 1-2-3 et une plateforme Webhook. Pour ce faire, il y a deux étapes. Il y a une configuration à faire côté Survey 1-2-3. Cette configuration, elle s'effectue depuis le site web de Survey 1-2-3. Il va falloir vous rendre sur l'enquête concernée. Dans les réglages de cette enquête, vous retrouverez une rubrique Webhook et vous pourrez ajouter un ou plusieurs Webhooks pour une seule et même enquête Survey 1-2-3. C'est vous qui choisissez. Quand vous configurez un Webhook, il faut lui donner un nom, celui que vous voulez, lui indiquer une payload URL, donc c'est l'URL sur laquelle Survey 1-2-3 va envoyer les informations. Donc cette URL, généralement, vous la récupérez du côté de la plateforme Webhook que vous utilisez. Ensuite, vous choisissez les événements déclencheurs, soit une nouvelle réponse à l'enquête, ou alors la modification d'une réponse existante, ou les deux. Ensuite, vous définissez les données qui seront envoyées sur la plateforme Webhook, les informations sur l'enquête, les informations sur l'utilisateur, les informations sur votre portail ArcGIS, et puis enfin et surtout, les informations sur la réponse à l'enquête émise par le participant. Toutes ces informations, c'est ce qu'on appelle la payload, c'est-à-dire la charge utile qui est envoyée sur la plateforme Webhook. Donc, vous retrouvez ici les grandes catégories que je viens de citer et vous voyez la structure en fait de la payload envoyée par Survey. Vous retrouvez donc des informations sur le portail, des informations sur l'utilisateur, comme son email, son nom, son prénom, son login ArcGIS qui est utilisé. Il faut savoir que toute cette rubrique, la user info, n'est utilisée et utilisable uniquement avec des formulaires sécurisés, puisqu'ici, on utilise l'authentification ArcGIS pour renseigner ces informations. Donc, si vous utilisez des formulaires grand public, vous n'avez pas besoin d'envoyer ce genre d'informations. Ensuite, vous récupérez également des informations sur le formulaire en lui-même, son identifiant, son titre, l'identifiant du futur service qui lui est associé, l'URL de ce futur service. Et puis, enfin et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la partie feature ici, qui va comprendre en fait les données envoyées par le participant. Donc, une sous-catégorie attribut dans laquelle vous retrouvez en fait l'ensemble des réponses aux questions de votre formulaire. Si votre formulaire contenait une question de type cartographique, vous retrouverez donc la géométrie renseignée par l'utilisateur et puis tout un tas d'informations. Et également, votre formulaire, s'il contenait des pièces jointes, donc à savoir des images, des photos, des signatures, ces pièces jointes, vous retrouvez toutes les informations liées à ces pièces jointes dans la payload qui est envoyée par Survey 1-2-3 sur la plateforme Webhook. Je vous affiche ici un petit décalage, voilà. Un exemple de payload envoyé par Survey 1-2-3 sur une plateforme Webhook. Alors, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, on a une enquête. Donc, dans Feature, on voit qu'il y avait quatre attributs. On demandait à l'utilisateur d'enseigner un mail, un circuit de randonnée, le problème rencontré sur ce circuit, et puis des observations sous forme de commentaires. Il y avait également une partie carto, puisque j'obtiens une géométrie ici, un XY, donc un point. Cela concernait un formulaire qui s'appelait Sentinelle de randonnée. Et il y avait une pièce jointe associée à la réponse de cette enquête qui était une photo au format JPEG. Donc voilà un exemple de payload envoyé par Survey 1-2-3. Et toutes ces informations, on va pouvoir les utiliser côté de la plateforme Webhook pour ensuite créer des notifications, transférer des données, etc. Et justement, de l'autre côté, côté plateforme Webhook, il va falloir un récepteur pour ces données envoyées par Survey 1-2-3. Alors, peu importe la plateforme Webhook que vous choisissez d'utiliser, sachez qu'il existe un connecteur générique. Alors, son nom, il peut varier d'une plateforme à l'autre. C'est soit Webhook, soit HTTP.
Et ce connecteur générique permet, lors de sa création, d'obtenir la fameuse pelle haute d'URL. Donc, c'est une URL qui va être générée de façon automatique par la plateforme. Et vous prendrez cette URL pour aller la copier dans la configuration de votre webhook côté serveur 1, 2, 3. C'est ce qui créera le lien entre serveur et la plateforme. Sachez également que pour certaines de ces plateformes, que sont Microsoft Power Automate et Integromat, Esri a développé des connecteurs serveur 1, 2, 3 qui permettent de recevoir ces données. Donc, par exemple, la réception des données ici avec le connecteur qui s'appelle Lorsque la réponse à une enquête est soumise est disponible sur les deux plateformes. Alors vous allez me dire pourquoi utiliser ce connecteur alors que je peux le faire avec un connecteur générique. Eh bien, la différence entre les deux, c'est la configuration côté serveur 1, 2, 3. Avec le connecteur générique, vous allez devoir copier la payload URL de la plateforme Webhook pour aller la coller sur le site web de Servet. Avec le connecteur, tout ça se fait de façon automatique. D'accord? Donc, on simplifie le déploiement des Webhooks grâce au connecteur. Et puis, surtout, ces connecteurs serveurs, on a deux connecteurs de type action, donc qui se déclencheront après la réception des données, si vous le souhaitez. Sur Power Automate, on a un connecteur qui s'appelle Obtenir des enquêtes qui permet de lister l'ensemble des enquêtes donc créées par un utilisateur ou accessibles à un utilisateur. Et puis un autre connecteur Serveur 1-2-3 qui permet de créer des rapports d'entité, cette fois-ci disponibles sur la plateforme Integromat, qui permet de générer automatiquement des rapports d'entité à partir de gabarits de rapports personnalisés directement dans Word. Allez. Donc, de continuer à parler, je vous propose une démonstration pour illustrer tous ces propos. Avant de commencer, je vais vous présenter tout simplement l'enquête qu'on va utiliser pour cette démonstration. C'est l'enquête que j'ai réalisée lors du précédent web séminaire de la semaine dernière. Une enquête grand public sur la thématique de la randonnée, où on propose aux utilisateurs, aux randonneurs, de signaler des anomalies rencontrées sur des circuits de randonnée. Donc, on leur demande de renseigner un email, le circuit de randonnée concerné, de localiser le problème sur la carte et ensuite définir la nature du signalement. Pourquoi pas ajouter une photo et puis voyez une question de type commentaire, texte libre. Voilà, donc on va utiliser cette enquête pour réceptionner les webhooks de cette enquête. Je vais utiliser une plateforme webhook ici, j'ai choisi Integromat, donc je vais m'authentifier sur la plateforme Integromat et demander ici en haut à droite à créer un nouveau scénario d'action. Voilà, donc j'ai un scénario vierge devant moi, on va le construire ensemble et on va commencer, je vais vous montrer comment utiliser un connecteur générique dans un premier temps. Donc il faut commencer par ajouter un premier connecteur, c'est celui qui va réceptionner les données de Servet dans mon scénario. Alors, vous voyez des connecteurs hein, sur Integromat comme sur toutes les plateformes, il y en a énormément. Moi je vais filtrer, le connecteur générique s'appelle Webhook. Voilà, il est disponible ici en bas. Et donc, je lui demande de me créer un webhook personnalisé. Vous allez voir, la configuration, c'est vraiment pas compliqué. Je lui demande d'ajouter un nouveau webhook. Il y a un nom par défaut, je le laisse et j'enregistre. Voilà, j'ai terminé. Là, il me fournit une URL. Et bien, vous avez devant vous la fameuse payload URL sur laquelle Server 1-2-3 va aller envoyer les données. Donc, je vais copier cette URL. Et maintenant, je vais aller configurer mes webhooks côté Server 1-2-3, donc sur le site web de Servet. Je vais me rendre sur l'enquête concernée, ici Sentinelle de randonnée, et dans les réglages de cette enquête, je vais retrouver un menu Webhook. Alors, je vais demander à ajouter un nouveau Webhook. Vous oubliez hein, celui qui est là, je vous en parlerai tout à l'heure. On va lui donner un nom. Donc, c'est Integromat Custom Webhook. Allez, pourquoi pas. Et là, il me demande la payload URL. Et bien, je viens coller l'URL de mon connecteur de réception côté Integromat. Je choisis les événements déclencheurs. Ici, pour chaque nouvelle réponse, je veux envoyer l'ensemble des informations. J'enregistre et c'est déjà terminé. Voilà, je viens de créer le lien entre mon enquête Sentinelle de randonnée et ma plateforme Webhook sur un scénario bien précis qui est ici. Alors, ici, le connecteur m'indique que pour initier et connaître la structure de données de Server 1, 2, 3, il faut envoyer une enquête exemple, test, pour déterminer la structure. On va le faire ensemble. Donc, je vais démarrer mon scénario. Là, il était en pause. Je vais enregistrer d'abord. Voilà, je démarre mon scénario. Voilà, mon webhook est en train d'écouter. Je vais aller sur mon enquête. Je me mets à la place d'un utilisateur. Donc, elle est déjà pré-renseignée sur un problème sur le GR20, un problème de sécurité avec un arbre sur le chemin. Et donc, je vais envoyer
cette enquête. Et dès qu'elle va être réceptionnée côté Survey, elle est envoyée sur la plateforme Webhook, vous voyez, qui vient de la réceptionner en temps réel. Je peux regarder ce qu'il a reçu, ici, grâce à la petite loupe, et voir que dans Feature, dans la partie attributs, je récupère les informations que l'utilisateur a renseignées. Le GR20, chute d'arbre sur le sentier. Je récupère également la géométrie du point qu'il a placé. Et je vois bien que cela concerne l'enquête Sentinelle de randonnée, ici en bas. Et après, le but des plateformes Webhook, c'est d'aller enchaîner des suites d'actions. Donc vous voyez, j'appuie sur le petit plus, je vais rajouter un nouveau module. Et imaginons, je vais envoyer un mail. Et puis là, je vais utiliser un connecteur très classique qui est Gmail pour envoyer un mail. Voilà, donc je vais configurer ce connecteur Gmail. Donc ici en haut, il me demande une connexion à un compte Google. Je l'ai déjà fait, qui est enregistré sur la plateforme Integromat. Ensuite, il me dit quel est le destinataire de ce mail. D'accord? Donc ici, soit je renseigne en dur une adresse qui sera toujours la même. Mais dans mon scénario, ce que je souhaite faire, c'est automatiquement envoyer en fait un mail de remerciement sous forme d'accusé de réception aux participants. Donc le mail, il va changer à chaque fois. Et pour ce faire, en cliquant, vous voyez, je vois apparaître l'ensemble des variables envoyées par la payload de Survey 123 et qui ont été réceptionnées par le connecteur précédent. Et dans les attributs, je retrouve bien ici l'information d'email du participant. Donc je vais demander à ajouter ça sous forme de variable pour le destinataire. Et je valide. Le sujet du mail, je vais lui dire voilà, je veux que ça affiche le nom de l'enquête avec accusé de réception. Et ensuite, le contenu de mon mail, juste en dessous, alors là, je vais écrire un petit texte. Hein. Bonjour. Retour à la ligne. Donc là, vous voyez, il faut avoir des petites notions en HTML. Sinon, vous allez sur un site web pour vous expliquer les balises HTML. Je mets des balises BR pour faire des retours à la ligne, pour gérer la mise en forme de mon mail. Donc, nous vous remercions pour votre signalement sur le... Hop, j'ai fait une faute sur le circuit. Vous voyez, là, je mets du texte en dur que je vais venir concaténer avec une nouvelle variable issue de ma payload, qui est la variable référence circuit. Allez, encore un petit retour à la ligne. Cordialement. Je me fais encore un petit retour à la ligne. L'équipe Sentinelle de randonnée. Je valide la configuration. J'enregistre mon scénario. Je le lance et on va le tester ensemble. Donc, je vais soumettre une nouvelle réponse. Je vais recharger mon enquête. Et on va voir ensemble le résultat. Donc, je suis l'utilisateur le même que tout à l'heure. Hop, cette fois-ci, ça concerne le GR34. Donc, sur la côte bretonne. Allez, on va dire que c'était ici, je gagne du temps. C'était donc un problème, cette fois-ci, on va dire, de signalétique. Je vois qu'il y a un petit lag, je suis désolé, je vais ralentir. Je vais ajouter une photo. Donc c'est un problème de balisage. Qu'est-ce qui se passait? Le balisage était absent. Voilà. Donc je suis prêt, je suis un utilisateur. Mon webhook est bien en train de tourner. On le valide, c'est toujours le cas. J'envoie ma réponse et on va regarder le résultat côté plateforme Integromat. Dès que la réponse est voilà, elle vient d'être reçue, paf, automatiquement il a réceptionné les données et il a envoyé le mail avec la configuration que je lui ai demandé. Pour s'assurer de ça, je vais aller voir ma boîte mail ici. Je vais l'actualiser. Effectivement, je viens de recevoir un nouveau mail. Le destinataire est la bonne personne. La variable a bien fonctionné. Nous vous remercions pour votre signalement sur le circuit. Et là, la variable référence de circuit a été prise en compte. Donc, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Donc, voilà un petit peu pour l'utilisation des webhooks avec Survey 123 for ArcGIS et surtout avec l'utilisation d'un connecteur générique. Je vous ai dit que sur les plateformes Microsoft Power Automate et Survey 123 et Integromat, pardon, vous disposiez de connecteurs Survey 123. Effectivement, les voici. Donc ici sur Integromat, un connecteur de type déclenchement, donc qui regarde et qui écoute les enquêtes, les réponses aux enquêtes, et un connecteur de type action. Donc là, je vais utiliser le déclencheur pour réceptionner les données à la place du connecteur générique et voir un petit peu les différences. Donc comment paramètre ce connecteur de réception, c'est assez simple. J'appuie sur Ajouter.
Il me demande de donner un nom à ce webhook. Je vais laisser celui par défaut. Ma connexion. Donc là, moi, je n'ai pas besoin de me connecter à RegisterNet parce que je l'ai déjà fait. Hein, ma connexion a été enregistrée sur la plateforme Integromat. Mais sinon, vous vous connectez avec votre identité à Regis. Il me retourne la liste de toutes mes enquêtes sur ArcGIS Online, où je vais choisir Sentinelle de randonnée, et je lui dis que l'événement déclencheur, c'est l'ajout de nouvelles données, donc le fameux add data. Et j'enregistre. C'est pas plus compliqué. Et l'avantage du connecteur Server 1.2.3, vous voyez, là, c'est déjà terminé. Alors, je peux demander à afficher l'adresse, la payload URL qui est là, mais j'ai pas besoin de la copier. Pourquoi? Parce que si je vais voir côté Server 1.2.3, sur le site web, vous vous rendez compte que si j'actualise la page, je gagne du temps avec le connecteur Survey comparé au connecteur générique, puisque ce dernier, en fait, m'a généré automatiquement la configuration du webhook côté site web de Survey 1.2.3. Donc, vous voyez, je peux même aller le mettre à jour, cette configuration, si elle ne me convient pas. J'avais bien choisi, ici, en événement déclencheur, juste les nouvelles enquêtes, les nouvelles réponses. Et puis, lui m'a coché par défaut toutes les données à charger dans la payload. Mais ici, si ça ne me convient pas, je peux désactiver certaines informations. Donc, je peux très bien, ici, me dire que je vais supprimer le webhook concernant le connecteur générique. Je supprime côté serveur 1.2.3. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais également aller le supprimer ici sur ma plateforme Integromat. Voilà. Et puis je vais dire que maintenant mon mail sera envoyé à partir des informations du connecteur serveur plutôt que du connecteur générique. C'est une façon de faire. Allez, je vais quitter ce scénario et vous montrer un scénario déjà établi. Toujours sur cette même enquête, pour vous montrer un peu les capacités des webhooks. Donc, si on regarde ensemble ce scénario, qu'est-ce qu'il fait? Ici, j'ai personnalisé, paramétré un connecteur Server 1.2.3 qui écoute les signalements du formulaire Sentinelle de randonnée. Automatiquement, j'envoie un mail de remerciement aux participants, aux contributeurs, ce qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Donc, j'utilise la variable email, je mets un objet de mail avec, où je concatène le nom de mon formulaire avec du texte en dur. Et puis, vous voyez en dessous, j'ai un petit texte. Bonjour, nous vous remercions pour votre signalement dû. Donc, je mets une date. Je crée une référence. Et puis, un peu plus bas, c'est une balise HTML. C'est pas bien méchant, c'est une balise avec une référence href qui me permet de créer un lien dans mon mail. Et ce lien, si on regarde l'URL, c'est une URL server123.argis.com avec l'identifiant d'un formulaire que je récupère dans la payload pour construire à la volée cette URL. Et permettre à l'utilisateur de visualiser sa réponse dans le formulaire de serveur web, mais en mode lecture seule. Effectivement, ici, j'ai un paramètre dans mon URL qui est mode égale view. J'utilise un deuxième paramètre global ID pour afficher la bonne enquête, et je présente ça sous un lien qui s'appellera visualiser mon signalement. Voilà, cordialement, une petite signature, une image en bandeau, en pied de page. Ensuite, le scénario d'action va aller archiver toutes ces informations dans un fichier Excel. Voilà, c'était pour vous montrer un peu les capacités offertes par la plateforme. Donc, je pointe sur un fichier Excel qui est sur mon OneDrive. Et automatiquement, le connecteur Excel ici m'a reconnu toutes mes colonnes. Donc, chaque boîte de dialogue correspond à une colonne. Et donc, ici, moi, je lui indique que pour renseigner la colonne email, il doit récupérer la variable à partir de la payload envoyée par Survey, et ainsi de suite pour toutes les colonnes de mon fichier Excel. Troisième étape, j'utilise un autre connecteur, qui est ici un connecteur qui permet de générer les rapports d'entité survey. Donc, effectivement, à mon enquête, je vais créer un gabarit de rapport que j'ai personnalisé directement dans Word, que voici. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait une petite mise en forme avec un bordeaux, des icônes, tout ce qui va bien. Et puis, j'utilise des variables dans ce rapport d'entité pour afficher les résultats de mes participants. Donc, ce modèle de rapport, je l'ai chargé sur le site web de Survey. Et donc, grâce au connecteur ici, générer les rapports Survey d'Integromat, je peux donc choisir mon enquête. Ici, c'était bien Sentinelle de randonnée. Il me demande quel modèle de rapport je souhaite utiliser. J'en avais qu'un. J'en ai uploadé qu'un sur la plateforme. C'est celui que je viens de vous montrer. Je lui demande de générer ce rapport par rapport à l'object ID de l'enquête qui vient d'être signalée. Et puis en sortie, quel format je souhaite utiliser, Word ou PDF. Ici, j'ai choisi PDF. Ensuite, j'enchaîne mon modèle. J'ai ici en bleu un module qui va venir télécharger ce rapport Survey. Ensuite, je me connecte à un module OneDrive pour archiver ce rapport sur un espace OneDrive. Encore un module OneDrive pour obtenir le lien vers ce rapport. Et puis, encore un mail, mais cette fois-ci que j'envoie au responsable. Donc, vous voyez que le destinataire, là, ce n'est pas une variable. Je l'écris en dur, c'est toujours le même, mon responsable. Il n'a qu'une adresse mail.
Je lui mets un petit objet, et puis surtout, je lui mets un corps de mail où je viens récapituler l'ensemble du signalement de l'utilisateur grâce aux variables de la payload envoyée par Survey. Et puis un peu plus bas dans le mail, je lui mets deux liens. Un lien qui pointe vers ici, vous voyez, link. Link étant une variable issue du connecteur OneDrive pour le partage de liens qui était juste avant. Donc ici, ça va automatiquement m'afficher dynamiquement le lien OneDrive vers le rapport concerné. Et puis en plus, je lui donne une deuxième URL. Et si on regarde cette URL, vous voyez, c'est une URL vers mon portail ArcGIS Online qui ouvre une application de type Web App Builder. C'est une application que j'ai créée, une sorte de tableau de bord pour suivre l'ensemble des signalements. Et si l'utilisateur clique dessus, on voit que j'ai rajouté dans l'URL, vous voyez ici, un paramètre center pour centrer automatiquement l'ouverture de cette application sur le signalement qui vient d'être fait. Et pour ce faire, j'utilise le XY envoyé par la payload de Survey 123. Et puis enfin, je souhaite alerter certains collaborateurs sur Slack du signalement émis, mais uniquement, vous voyez ici entre les deux, j'ai défini un filtre pour les signalements qui concernent la sécurité. Je me dis que la sécurité, c'est important et que mon responsable, il peut être en congé, comme tout le monde. Et donc, dans le doute, tout ce qui est de type sécurité, j'alerte également les collaborateurs sur Slack. Ce que je vous propose, c'est de lancer ensemble ce scénario. Alors, plutôt que de remplir l'enquête, vu que ce scénario était en pause, il me dit que dans la liste d'attente, il a vu qu'il y avait déjà des enquêtes qui avaient été envoyées, des réponses. Donc, on va les utiliser pour gagner du temps. Et regardez un petit peu, vous voyez ensemble tout le déclenchement, vous le voyez en live côté Integromat, des différentes étapes. Donc il a déjà envoyé le mail au contributeur, il a déjà archivé dans Excel. Là, il prend un petit peu plus de temps pour générer le rapport. Donc pendant qu'il génère le rapport, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les premiers résultats. Le contributeur a été remercié. Effectivement, j'ai bien reçu ici un deuxième mail, un peu plus joli que le premier qu'on avait fait tout à l'heure, qui me met en valeur l'heure du signalement avec la date, la référence qui a été construite à la volée grâce aux variables. Le lien dont je vous parlais, l'utilisateur pourra donc cliquer sur ce lien. Vous voyez, ça a bien construit dynamiquement l'URL vers le formulaire Survey qu'il a pré-renseigné. Et donc, l'utilisateur peut consulter le formulaire qu'il avait pré-renseigné juste avant. Par contre, on voit bien, il ne peut pas faire de modification, on ne l'a pas autorisé à ça. Mais il récupère tout, il peut même consulter la photo qu'il avait envoyée, ici en bas. Le fichier Excel en question, le voici. Et donc ici, 14h57, nouveau signalement, chute d'arbre sur le sentier, vous voyez, avec toutes les informations qui ont été renseignées automatiquement par mon webhook. Allez, je vais revenir sur Integromat pour voir un peu le scénario. Il a enfin généré le rapport. Donc ce rapport a été téléchargé, archivé sur OneDrive. On a récupéré le lien de partage. Et donc, on a envoyé un mail au responsable. Allons voir la boîte mail du responsable qui est ici. On va l'actualiser. Voilà, il y a bien un nouveau mail qui est arrivé. Je dis, le mail il était très simpliste. C'est une énumération des différentes informations soumises par le participant. Donc, on a l'adresse mail du participant, la référence, toutes les informations. Et puis ici, en bas, deux liens que j'avais construits dynamiquement. Un lien qui permet d'aller consulter le rapport Survey. Et souvenez-vous, hein, on redirigeait le lien vers OneDrive, puisqu'on a archivé le rapport sur OneDrive. Et voici le rapport au format PDF qui a été généré par le module précédent. Donc, tout est là, on retrouve la photo, toutes les informations. Et si je ferme ce rapport, hein, je vois que sur mon espace OneDrive, vous voyez, l'archivage fonctionne bien puisque tous mes rapports sont ici. Et toujours dans le mail du responsable, on avait défini un deuxième lien pour ouvrir, cette fois-ci, donc visualiser les résultats sur ArcGIS Online. Derrière ce lien, c'est l'ouverture en fait de l'application Web App Builder. Le tableau de bord qui permet de suivre tous les signalements réalisés. Et donc, vous voyez, ce tableau de bord, automatiquement, il s'ouvre centré parce que je vais demander sur les coordonnées du signalement qui vient d'être fait et notifié par mail. Donc, voilà, l'application est très simple, hein, elle permet à l'utilisateur de consulter les informations, s'il le souhaite, de pouvoir modifier un signalement, donc faire de la mise à jour. Mais c'est surtout un bon moyen ici, si je prends la vue générale, d'avoir une sorte de tableau de bord de suivi des signalements. Donc, pour information, j'ai une simple application Web App Builder, j'ai utilisé ici le thème tableau de bord, donc qui me permet de faire ce genre de graphique dynamique et voir qu'il y a beaucoup plus de signalements sur le GR34 que sur les autres circuits de randonnée. Et puis enfin, dans le scénario Integromat, ici, que vous voyez à l'écran, une dernière étape qui était d'alerter les collaborateurs sur Slack uniquement pour les alertes de type sécurité. C'était le cas avec l'enregistrement que je viens d'utiliser.
Eh bien, sur Slack, que voici ici, j'ai bien un nouveau signalement qui a été fait par Sentinelle de randonnée, qui me donne la référence, nouveau signalement lié à la sécurité, et les utilisateurs peuvent consulter le rapport disponible sur OneDrive, puisque je l'ai téléchargé et hébergé sur OneDrive. Voilà un exemple un peu plus complet d'utilisation des webhooks avec, par exemple ici, la plateforme Integromat. Et vous pouvez faire plein d'autres choses avec tous les modules qui vous sont proposés. Il n'y a quasiment hein, aucune limite. Les ressources disponibles concernant les webhooks et Server 1.2.3, deux adresses à retenir. La première, c'est l'aide en ligne, bien évidemment, l'aide en ligne de Server 1.2.3 sur doc.argis.com. Et puis surtout, je vous invite vraiment à aller consulter Géonet, donc accessible à l'adresse community.esri.com. Sur Géonet, ce qui est la communauté des utilisateurs ArcGIS, vous allez retrouver un espace dédié à Server 1.2.3. Et dans cet espace, il y a beaucoup de trucs et astuces, d'articles de blog, de tutos, de vidéos, et notamment autour des webhooks. Donc allez-y, hein, c'est vraiment une vraie mine d'informations pour mettre en place des scénarios webhooks avec Server. Voilà, 30 minutes. 31 minutes pile poil. On peut passer aux questions-réponses. Donc normalement, Sébastien a traité des questions en live. Mais Sébastien, si tu peux activer ton micro et si tu as quelques questions pour moi. Exactement. Déjà, merci Hugo pour cette présentation. Ça a été clair. Beaucoup de questions quand même concernant le pricing des plateformes tierces. Ça, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Alors, pour tout vous dire, je ne travaille pas chez Integromat. J'ai choisi, je vais vous justifier de mon choix ici sur Integromat. J'ai utilisé Integromat pourquoi? Alors déjà parce qu'il y a des connecteurs Server 1.2.3 qui sont disponibles sur cette plateforme, donc pour vous les démontrer. Et puis tout simplement parce que sur Integromat, il y a une version gratuite qui n'est pas limitée dans le temps. Donc vous voyez ici, ma souscription est en mode free. La limite, en fait, c'est le transfert de données mensuelles. Donc je suis limité à 100 mégas de transfert par mois ou 1000 déclenchements. Donc pour faire des tests dans un premier temps, Integromat est assez adapté. Mais sinon, vous pouvez très bien utiliser la plateforme de Microsoft qui s'appelle Power Automate. Si vous disposez d'un abonnement Office 365, vous avez un accès gratuit à cette plateforme. Alors, il y a un accès payant, bien évidemment, hein, sur Power Automate, mais avec l'accès gratuit, vous pouvez utiliser les connecteurs Servais. Donc, question de coût, là, je vous invite à vous rapprocher des plateformes IFTTT, Integromat, ou donc aller sur leur site web pour voir consulter les différentes souscriptions. Une autre question qui va être rapide à répondre, hein, c'est est-ce que les webhooks consomment des crédits ArcGIS Online? Non, 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 il n'y a pas de consommation de crédit liée au webhook, puisqu'en fait, c'est Server 1.2.3 qui va envoyer au format JSON les informations sur une plateforme, et donc on délègue les actions à la plateforme Webhook. Donc côté ArcGIS, il ne va rien se passer et donc il n'y aura pas de consommation de crédit. Une question concernant la gestion d'échecs. Donc, imaginons on déclenche un webhook, mais en fait, on est en hors ligne, c'est-à-dire qu'on peut pas la gestion de la requête ne peut pas se faire. Est-ce qu'il y a un mécanisme de file d'attente du webhook en cas d'échec? Je ne comprends pas toute la question, mais le Webhook, en fait, il va être déclenché par Servais. C'est Servais qui va aller envoyer la payload sur, donc la payload, ce sont les informations hein, au format JSON, sur la plateforme Webhook. Donc, si votre enquête, la réponse à l'enquête n'est pas arrivée jusqu'à Servais, il n'y aura pas de déclenchement. Et après, côté plateforme Webhook, notamment sur Integromat, et vous l'avez vu dans la démonstration tout à l'heure avec le dernier scénario que j'ai utilisé, il y a une gestion des files d'attente. Pourquoi? Parce que sur les plateformes Webhook, vous voyez ici par défaut, mon scénario d'action est en mode off, c'est-à-dire je ne le laisse pas tourner tout le temps. Et si je l'ai mis en pause, il me dit que vous voyez que j'ai une file d'attente avec un enregistrement qui est en attente dedans. Donc Servais a bien notifié la plateforme, mais la plateforme ne lance pas le scénario parce que je lui ai demandé. Et donc il y a une gestion des files d'attente à ce niveau-là. Une autre question, c'est est-ce qu'on peut intégrer les webhooks avec Server 1.2.3 comme connecteur GeoEvent? Bon, alors attends, j'ai pas compris. Comme connecteur GeoEvent. Oui et non, enfin oui, vous pourriez. Alors déjà parce que sur les plateformes Webhook, en fait, vous avez notamment un connecteur ici HTTP, donc un connecteur un peu générique aussi, qui permet de faire plein de choses, comme faire des requêtes HTTP. Vous pouvez très bien aller faire des requêtes REST ou n'importe quel type de requête. Donc là, c'est la seule limite, ça sera votre imagination. Par contre, je ne vois pas l'utilité de lier les Webhooks avec GeoEvent, parce que de toute façon, les enquêtes sont hébergées sur un service d'entité du portail ArcGIS, et GeoEvent est capable d'aller interroger et lire instantanément les modifications d'un service d'entité. Donc ça serait rajouter une étape supplémentaire qui n'est pas du tout indispensable.
on complexifierait la démarche là. Après, y a pas mal de questions, mais je pense qu'on répondra plutôt à ça en privé sur est-ce que tel connecteur existe? Est-ce qu'avec ce connecteur, je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ci? Ça, on répondra plus en privé, je pense. Qu'est-ce que Oui, tu en alors on penses? répondra. Oui, on répondra en privé. Par contre, enfin, juste, on va pas répondre aux tous les connecteurs disponibles sur la plateforme Integromat, par exemple. C'est pas notre métier. Et puis encore une fois, enfin, si je vous montre les connecteurs, personnellement, je les connais pas tous. Regardez, enfin, la liste, je sais pas combien il y en a, mais plusieurs centaines. Donc là, je vous invite à aller fouiller, notamment sur Integromat. Encore une fois, vous avez une version gratuite qui n'est pas limitée dans le temps. Donc allez faire vos tests. Et puis effectivement, pour les questions un peu plus personnelles, on viendra vers vous par mail. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel Esri France pour lui en faire part. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir suivi ce web séminaire. J'espère qu'il vous a inspiré et bonne pratique. Et bon après-midi. Au revoir. Merci à vous, au revoir.